En plus, c'est un mobile, je suis là. Ouais, c'est nickel, là. Comme d'hab, hein, mon copain, retour. Ok, voilà, je viens juste de démarrer à la seconde, là, une vidéo. Voilà, vu que j'étais en plus en plein là, dans la circulation de Libourne et tout, là, j'ai pas pu démarrer plus tôt, donc là, je commence juste un instant. Donc, les modes sont 13,51, toi, Cédric, comme quoi, hein, quand il suffit juste d'attendre le bon moment pour avoir une belle ouverture, là, du côté français. Et si, la propague est là, elle est là tous les jours. Voilà, alors quand je vois certaines personnes dire il n'y a plus de propague, ceci, cela, c'est mort sur les chats et tout. Mais non, c'est pas vrai du tout. Il faut juste être là au bon moment, quoi. Affirmatif, je te confirme que ça passe bien. T'es 59 plus 10 dB chez moi. 59 plus 10, voire des pointes à 20 dB. Un super radio 5. En plus, il y a un Italien qui parle, tu passes par-dessus. Hein. Il y a un Italien qui parle, tu passes largement par-dessus en mobile, à chier. Alors, la propagation est vraiment de la partie, là. Voilà, ben, je vais te donner le WX chez nous, là, sur le nord-est. Tempête de ciel bleu, grand soleil, température à l'ombre. Je dis bien température à l'ombre. 38 degrés, hein, 38 degrés actuellement, et température en plein soleil, là, j'avais 43 degrés, là, quand je suis sorti du pro, hein, tout à l'heure, hein. Ouais, je finis à 16h30, Rémi, là, j'avais 43 degrés dans le mobile, là, retour. Ok, pour la température, température à l'ombre, là, je peux pas trop te le dire, parce que c'est vrai que là, en partant de QRA, j'ai pas trop regardé. Et pour le WX, eh bien, c'est un ciel voilé, mais avec du soleil quand même malgré tout, mais il fait très très lourd ici. Hein. C'est très humide, c'est très lourd. Ah, je ne serais pas étonné qu'on ait dans les 35 à mon avis, un truc comme ça. Là. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je vois là dans le push. Ouais, je vois dans les 32, je crois, si je vois bien, dans ces eaux-là. Bah bon, bref, là il fait très très lourd là, quand même là ici sur le QTH. Et pour ma part, eh bien, je sors pas du pro, j'y vais. Là je vais du côté du bec d'Ambès, de ce côté-là, là, c'est-à-dire au nord de Bordeaux. Hein. Ok, bah bien pris avec le 100%. Hein. Je m'excuse, j'aurais bien fait une vidéo, mais là, le portable est en train de recharger, là, malheureusement. Mais ce sera pour la prochaine fois, t'inquiète pas. On aura l'occasion de se réécouter, là, c'est pas un problème. Et tu m'arrives à 59 plus 30 dB. Hein. Je sais pas si. Non, t'es pas sur le pont d'Aquitaine, parce que des fois, je te vois, je vois les vidéos quand t'es sur le pont, là. T'es sur le pont d'Aquitaine, non, c'est ça? Alors, si je vois bien. Non, je suis sur la rocade de Libourne. Donc 50 km à l'est de Bordeaux, voilà, en plein sur la rocade de Libourne, coincé même en même temps là au milieu des arbres et tout ça. Et non, mais comme quoi, eh bien, le couloir de propague à la minute même est bien ici, bien sur le sud-ouest, c'est tout simplement génial. Oui, alors pour la radio, de toute façon, avec toi, c'est forcément une radio de 5. Hein. Et on peut même rajouter de plus 5. Hein. Là, c'est de la Hi-Fi radio là, que tu nous fais. Là. Voilà. Et pour le signal, si j'ai bien vu, ça doit être. Il va falloir que je me le prenne en photo, le Hertzmet. Hein. Là, que je fasse un zoom dessus, que je me le colle sur le tableau de bord. Mais il me semble que c'est un Santiago de 6, quelque chose comme ça, là, de mon côté. Ok, puis en plus je suis en directive, hein. Je suis pas en verticale, hein. Je suis en directive plein ouest. Hein. Là, je suis en directive plein ouest, et puis ouais, j'ai carrément changé les conditions de trafic. Là. C'est de la, comme tu dis, c'est de la IFI SSB, je suis là, hein, affirmatif. Là. J'avais le 570 avant, le TF570D de chez Kenwood, là. Et là, je suis repassé carrément avec le vieux dernier, on va dire le TS870S de chez Kenwood, là, avec toujours le même micro, le MC60, là, de chez Kenwood. Et l'antenne utilisée, c'est la Skyper Fabrication M. Hein. Skyper Beam, 3 éléments, là, sur le côté de la maison, à 7 mètres du sol, à la puissance d'émission sortie de l'appareil, hein, sans amplificateur, sans rien du tout derrière, de 125 watts, hein, 125 whisky, là, sortie du poste là, voilà, retour Rémi. Ok, d'accord, et bien là, au fait, au niveau calage en fréquence, vu que le poste est pas mal chaud dans le push, ça va, ou tu veux que je me recale un peu mieux, c'est bon de ton côté? Ouais, moi je
je t'entends toujours. Attends, j'ai tourné un petit peu l'antenne, je t'entends toujours. Il y a eu un break, je sais pas si t'as entendu, il y a une station qui a breaké, Rémi, là, tu as ça? Non, je n'ai pas du tout entendu. Pour ma part, les conditions de trafic, eh bien, c'est le CRT 7009. Là, on va enregistrer le break, s'il m'entend. Voilà, c'est le CRT 7009, là, dans le push. Et plus la petite boîte qui va bien derrière pour donner un coup de pouce à la propague. Donc là, je suis au coup de sifflet, hein, 190. Donc en modulation, je dois être comme toi, je pense. Retour de micro pour faire rentrer ensuite le break. Ok, bah ça passe bien, 59 plus de mon côté, hein. 59 plus 10 plus 15 dB. Ok, bah, avec ta permission Rémi, j'ai entendu un break, ici 14 Charlie Papa 070 en compagnie de 14 Oscar Delta Romeo, les numéros je l'ai bouffé. Excuse-moi Rémi du côté de Bordeaux là et moi-même sur le département 70, le break en avant. Ouais, il y a de la propague. Pourquoi? Je vais me prendre un caillou dans le pare-brise. J'ai entendu tic. Ok, la Dordogne, département 24, les bonnes 73, en mobile fourgon, là, 59, 58, 59, il y a un peu de farine. Vous me reviendrez au prochain passage avec le primo de l'opérateur. Ici, le primo de l'opérateur est Cédric, département 70, en station fixe, là. Est-ce que tu as la copie de la station mobile sur le département 24, là, Rémi, retour? Bah non, les 73-51, lui, de la part de 14 ODR 002, opérateur Rémi, Dandy 33 en mobile, sur la voie rapide entre Libourne et Bordeaux. Voilà. Et non, pas du tout, comme quoi toi, hein, la magie de la radio, toi tu es au plus loin du mari, mais comme un poulet de canon. Et la station qui est sur le département d'à côté, eh bien rien, j'ai pourtant bien tendu les oreilles, j'ai regardé sur le poste, rien. Ouais, les stations de 13, la station que j'ai entendue là à côté. On est sur bateau QSO, si c'est le cas, mes excuses. Ah oui, c'est lui là, le copain Daniel, mais bon, je vous laisse faire parce que vous êtes en train de faire machiner, c'est pour ça que je vous laisse. Ah, je suis désolé d'avoir cassé votre QSO. C'est vrai que c'est la station Cédric là, qui m'a proposé un QSY ici. Je suis en train de rouler, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mes excuses à vous d'avoir cassé votre QSO. Ah ok, d'accord, je croyais que tu étais en QSO là ici sur la fréquence. Non, j'écoutais loin parce qu'il est cartonne alors donc c'est pour ça. Ok, d'accord. Alors il y a Cédric qui est derrière, je vais lui faire un retour de micro pour voir s'il t'entend. Retour Cédric. Attention Cédric. Ça y est, c'est tombé. 73 amis et d'amitié pour les marathons, évidemment. Sur le QTH de l'Armand, là, c'est lui, là, 14 de Marifo, bien entendu. Là. Comme tu savais, Daniel Tantor, que je suis des fois un faisceau, ok, Rémi? Ok, les bons sont 13-51, et bien on va continuer comme ça. On passe du DX au local. Voilà, c'est ça qui est génial. J'ai entendu, je suis venu parce que j'ai entendu le taureau aujourd'hui. Je croyais que c'était Daniel, mais c'est pareil, que ça soit toi, c'est pareil, parce que je ne sais pas si tu t'en rappelles Daniel, là, les chez toi, et tu me confiais pas, c'est pour ça. Attends, voilà, j'étais en train de doubler. Ok, bah là, en tout cas, là ça passe bien. Là, je suis sur la voie rapide, là, entre Libourne et Bordeaux, et là, ça passe bien de ce côté-ci, là, ça va, quoi. On cuira, je sais pas si ça doit passer. Ah si quand même, je dois t'entendre au cuira. Mais c'est vrai que là en ce moment, là, depuis quelques temps, là, c'est. J'ai du mal à trouver du temps libre. Oui, ok, mais il y a un break. C'est toi, Mister Michel? Oui, c'est moi. Oui, 73 amis.
l'amitié, Père Michel, et l'amitié Joas. À toi, je suis en compagnie de Rémi, là, par mobile, à toi, Père Michel. Salut, Rémi, Père Michel, sur l'œil. Les 73 à toi Pierre-Michel, et bien ça passe là, vraiment bien là de mon côté. Je suis sur la voie rapide là entre Bordeaux, entre Libourne et Bordeaux. Et bien j'arrive là dans le trou là du petit village là, là la poste. Oh, au contraire, reste avec nous. À ta compagnie le boulot impossible Rémi là, parce que tu es dans le trou de la poste et moi je suis à juste à Rouleau comme tu sais là évidemment alors bon imagine toi qui arrive plus fort qui est à 5 là et il sera proche de toi. Ah, j'ai perdu un peu Pierre-Michel derrière. Ouais, ok, d'accord. Et là, moi, tu m'arrives bien, en tout cas, de mon côté. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, attends, je suis en train de remonter. Voilà, ça remonte, ça, je remonte à la surface. Ouais, retour, retour Pierre-Michel. Sur ça va pas. J'ai dit à Louis que tu te rapproches de lui. Non, il s'éloigne parce qu'il rentre à ce PTH, Pierre-Michel. Non, non, je vais au pro. Ah, d'accord, tu vas. Oui, d'accord, tu vas à Metz. Je vais du côté là du bec d'Ambès. Donc là, là, je suis sur la rapide, la voie rapide. Je raccourcis les phrases. Et je descends oui, sur le bec d'Ambès. Pour l'instant, ça roule bien. Hein. Oui, enregistrez le break. Il y a eu un break, enregistrez le break. Il a mis remis sur un simple break 5-4-1, voilà. On t'attend souvent là sur la tablette, là, faire le contact avec notre ami de Santon. Voilà Rémi, à ton retour. Ok, merci pour le retour. Les 213-51 retournés, voilà, de la part de Rémi. 14-DR-002 ou 14-Delta-Romeo-33 ou Dandy-33 sur la Gironde. Hachi, là j'ai tout dit là. Affirmative, Rémi, affirmative. C'est toi qui viens souvent le vendredi soir là, sur le 27 des poussières. Le 27-275, canal 27. Et c'est vrai que ces temps-ci, pour diverses raisons diverses, je n'étais pas sur le QSO. Le week-end dernier, je n'ai pas pu le faire car là, j'étais trop pris. Quand au niveau du pont, on me demande de faire du travail de chef de poste alors que je ne le suis pas moi-même, forcément, ça complique un petit peu les choses, surtout au niveau du temps libre. Bref, c'est comme ça. Ça, c'est réglé. Ce week-end, vendredi soir, samedi soir, je devrais normalement pouvoir être sur le QSO. Ok, affirmatif. Je crois que c'est toi qui m'ont dit là avec 8009, je crois, non? Juste à côté, un CRT 7009. Voilà, bon, c'est vrai que je parle un peu fort dans le micro, j'ai tendance à gueuler un peu dedans. Surtout quand j'ai les fenêtres qui sont un petit peu ouvertes au niveau du push. Alors j'ai l'impression qu'on m'entend encore moins, donc je gueule encore plus dans le micro. Là, c'est le CRT 7009. Voilà. Le 9009, je le trouvais trop petit. Et en plus de ça, il a un souci, il est mal refroidi. Ouais. Alors que le 7009, eh bien, il a la caisse du 3009. Et bon, il respire déjà beaucoup mieux et ça va, lui, reste tiède. Et oui, affirmatif, je te demande ça parce que je suis peut-être approché un jour. Enregistrez le break. C'est parce que l'autre, c'est très bien qui chauffe et il a beaucoup, beaucoup de problèmes. Eh. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Eh. Oui, enregistrez le break. Le 9009, c'est vrai qu'il y a. J'ai entendu parler d'OM qui aurait grillé leur PA et tout là sur le 9009. Et c'est vrai que c'est pas top. C'est pas top. Il y a eu un break. Avec ta permission, je vais laisser rentrer le break ou la station qui a voulu reprendre le micro. En avant. Ouais, la station qui vient de prendre le micro, c'est très 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 QRP de mon côté, c'est quasiment inaudible. Juste un filet de voix là, qui est passé.
Le 73 à toi de la part de 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest en mobile. Là, j'arrive sur Lormont, je suis à côté de Brico-Dépôt. Voilà, c'est pas Lormont, c'est, Artigues. Voilà, Artigues, Lormont, là, j'arrive là dans ces coins-là, pas très loin de la rocade de Bordeaux. Enregistre le break. Oui, la station, j'ai entendu que tu étais sur le forum des ODR, les bus 1351, toi, voilà, il y a eu un autre break en avant le break. Voilà, les bus 73, Eric 67, 14, Guido Golf Alpha 67, sur la région Alsace, c'est le OK l'Alsace, OK l'autre station, les 1313-51 vous, voilà, de la part de Rémi, 14 ODR 002, 14 Delta Romeo 33, Dandy 33 en mobile. Voilà, je suis sur la bretelle d'accès là de la rocade de Bordeaux. Hein. Voilà, en mobile, évidemment, ça vaudra mieux. Bon, attends deux secondes. Bon, la station du forum, les ondes du routier derrière, là j'étais complètement perdu là sur la rocade de Bordeaux, là c'est devenu trop QRP, là je suis un petit peu encaissé de ce côté-là. Il y a d'autres stations là qui prennent le micro. En avant les stations avec les 2073-51, voilà, de 14 ODR 002, 14 Delta Romeo 33, Dandy 33, opérateur Rémi en mobile, à la hauteur de la sortie Lormont pour prendre ensuite direction les quais de bassin, c'est Bouillac, et n'importe quoi. Les quais de bassin, c'est le bec d'Ambès. Pour aller là-bas, pour aller en mer. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a plus court, mais j'aime bien passer par là. Là, j'attrape après la sortie là, qui est à côté là, de la gendarmerie autoroutière. Je descends là par la côte de la GT, l'équipe Bassins, et puis après là je longe la Garonne, en passant par Saint-Louis-de-Montferrand, direction la pointe. Reprenez bien, je suis dans ma région grave, moi, à côté de Saint-Vincent-de-Paul, à la limite. Alors que c'est pour ça que tu m'étonnes d'avoir fait le grand tour là-bas. Voilà. Là, j'arrive même à récupérer ma mère, mais bon, il est rentré, vous voulez prendre les grandes artères, ça sent le mise, voilà le problème, Rémi. Ben, ouais, c'est vrai que ça aurait été plus court. Ici, c'est, je sais pas. C'est vrai que, enfin bon, peu importe. En tout cas, pour les stations qui veulent aller là sur Bordeaux, là qui arrive de Paris, eh ben, c'est pas mal embouteillé. C'est surchargé, ça bouchonne. Hein. Ça bouchonne même bien, même. C'est le problème de tous les jours, tous les matins, tous les soirs, voilà le grave problème. Et toi qui te dis bon, tu dois venir à travers, là, passer par cette base de Bouillac, et après tu revenais vers là, tu sortais vers par là, et tu reprenais derrière, c'est l'instant de pause, et je suis arrivé. Voilà, je suis en train d'arriver au feu là qui est à côté de oh zut, c'est quoi déjà le rond-point de c'est Ricard je crois, je sais plus. Ouais, tout à fait, Perron Ricard, quand tu vas sur Bassin, c'est perpétuellement sur les quais ou Bordeaux. Là j'étais au point de par là, par les quais sur Bassin. Ouais voilà c'est ça, ouais, je vais ensuite, voilà, là je suis au feu, là je vais prendre à gauche après pour descendre sur les quais. Et sur les quais à droite, direction Saint-Louis-de-Montferrand, direction la route du bec d'Ambès. Ok, affirmatif. Mais t'as une poussette à côté derrière sur le siège, non, Rémi? Attends, j'ai pas compris. Mais t'as pas que le poste, t'as un ampli, non? Un peu, oui. Tu m'étonnes là.
Ben, disons que, excusez-moi, l'ampli n'est pas là pour faire plus que tout le monde. L'ampli est là pour compenser par rapport aux stations fixes, ce qui me permet d'arriver à peu près quasiment pareil que les stations fixes. Oui, affirmatif. Perso, je préfère la Sigma 1200. N'importe quoi. Attends deux secondes. Ouais, là, perso, je préfère la Sigma Jura 10. Elle prend moins les QRM que la Santiago 1200, mais bon, j'ai un souci avec. Enfin, du moins, je croyais que c'était l'antenne, donc j'ai raccourci, j'arrivais pas à régler le dos. Maintenant, j'ai un fouet qui est trop court. Du coup, j'ai attrapé une autre antenne que j'avais en stock, c'est-à-dire la Santiago 1200. Ok, mais moi je me suis rendu compte de la différence justement au niveau QRM, c'est là quand je mets les essuie-glaces. Alors avec la Sigma Jura 10 BL, là c'était nickel, propre et tout. Surtout depuis j'ai mis le 7009 dans la voiture, j'avais plus rien comme QRM électrique venant du push. Et du moment où j'ai mis la Santiago 1200, ben quand il pleut, je me reprends à nouveau les essuie-glaces dans le poste. Enfin, du moins les QRM des essuie-glaces. Ah, chier. Ok, bien compris, à toi Louis. Et voilà, donc tu vois tous les renseignements qu'on a, parce que oui, je vais te dire, avant de te perdre quand même, je savais que tu me perdais, mais quand même, on s'est gentil. Dans les 8009 aussi, disons, on a autrement en promo là. Attends, j'ai la modulation qui a chevroté un petit peu, là je l'ai un peu mal reçu. Hein. Oui, t'as le 8009 là qui est en promo là, je pense que, je sais pas si, qu'est-ce qu'il vaut celui-là. Ah, le 8009, CRE ou... Attends, c'est CRE ou GME, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est ça, électronique. Alors, attends deux secondes. Si je me trompe pas, c'est quasiment la même chose que le 6009, c'est ça. Oui, il sort pas 35 watts d'origine, il me semble qu'il en sort moins. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont, mais si c'est bien celui que je pense, les petits boutons sont vraiment petits, et certains se plaignent justement d'avoir du mal à appuyer dessus. Ouais. Autrement, j'ai pas plus d'infos. Hein. Ah oui, tu veux dire les boutons digitaux là ? Ah oui, ils ont l'air des petits, j'ai regardé ça, j'ai grandi Internet. Ouais, ça m'a l'air chouïa, hein. Ben oui, voilà, c'est ça quoi. C'est ça le problème. C'est quand c'est trop petit comme ça, il arrive à un moment donné, ça devient chiant à manipuler. Le clarifieur, si c'est le même que le 6009, il est casse-burette. Si c'est bien le même que le 6009. Hein. Parce que je me souviens du temps où j'ai eu le 6009, c'est vrai que je trouvais ça chiant.
Tu mets le clarifieur juste en réception comme il se doit. Eh ben pour le coup, tu peux plus accéder aux fréquences zéro parce que c'est en même temps le bouton du clarifieur qui fait bouton push et qui te permet de déplacer la virgule. Donc là, c'est pour ça que je l'ai vite revendu là pour prendre le 7009 à la place. Ça c'est pas intéressant, vous voulez avoir un bouton qui fait que le machin, et puis ce sera le mieux. Ok, je dis surtout en mobile, c'est ce qu'il faut pour la simplicité. Voilà, attendez. Oui, j'ouvre, écoute, comme ça, je sais que ça que je voudrais, voilà. Je dis que le 7009, ça est un poste forme, je sais pas combien ils sont, je crois qu'ils sont sortis dans les 35 watts. Alors, on va faire un petit truc. Voilà, donc là tu m'entends toujours. Ah mais ça a chuté. Là je suis qu'avec la puissance du poste là, c'est tout là. Ah parfait, c'est arrivé à 4-5 quand même. Et où tu es rendu là sur les quais? Alors je suis sorti de Bassins là, direction Saint-Louis de Montferrand. Voilà, je viens de passer un grand rond-point, j'ai le panneau Saint-Louis de Montferrand là. Tout à fait, bon, peut-être passer des ingénieux, tout ça, les grosses cuves. Ah non, je suis pas encore rendu là. Ah d'accord, oui, parfait, c'est bien. Oui, mais il faut pas qu'ils sortent de voir, Daniel, c'est ce qu'il a dit, ils sortent de voir. Alors, faudra que je vérifie là sur mon forum, la planète CB francophone. J'ai fait tout un truc, il y a tout un truc que j'ai fait justement là sur le CRT SS7009. Au fait, j'ai tout renclenché là. Et il faudra que je regarde, mais il me semble que j'ai dû le réussir à le monter au coup de sifflet à 35 ou 37, quelque chose comme ça. Il faudra que je vérifie. Là, je m'avance peut-être un peu vite là comme ça parce que j'ai pas l'ordinateur là devant les yeux, mais il me semble que c'est ça. Par contre, en FM, il sort 35, oui, c'est ça, et je l'ai descendu à 30 car il n'y a pas besoin d'autant de puissance en FM, et puis ça le fait chauffer beaucoup trop. Quoi. C'est pour ça que j'ai préféré le descendre un petit peu côté FM. En AM, il me semble que je l'ai descendu un petit peu par rapport à son maximum. Là aussi, j'ai oublié. Ah, c'est chiant ça. Putain, quelle mémoire de poisson rouge que j'ai, moi. À chier trois coups. Enfin bon, j'ai tout ça là sur le forum. Si tu vas sur mon forum, la planète Simi francophone, tu verras là. Tu vas sur le truc CRT. J'ai listé, j'ai marqué tout ça, quoi. Pas de problème, mais enfin, bon, René, lui, c'est pas le cas qu'il vaut, lui, je pense qu'il faut 33 watts, puisque c'est une émission mobile comme toi, donc il n'a pas de secrétaire, donc je pense, lui, faire autour, René, à toi. Et oui, mais je regarde, moi, ça t'intéresse pas qu'on fasse au fond, là, c'est pour ça que je sais qui tu m'as mis, voilà, et je l'écoute souvent et qui suit souvent les conseils qu'il donne, voilà. Donc, je trouve l'occasion, je passe là-dessus pour voir exactement comment vaut ce 7009. Moi, il a l'air de me plaire, voilà, c'est pour le mettre en mobile et pour remplacer mon vieux chouillou qui va très très bien, qui ensuite très très content. Je dis, je fais des contacts, tu vois, avec petit Louis, là, depuis le Portugal, avec l'allemand, dit, oh, je vois, peut-être nous, je vais pas pousser, et quand il est vraiment content, avec une ancienne circelle, que c'est sur le toit de mon berlingot, et quand il, vraiment chanté depuis le temps que je l'ai, aucun problème, voilà, Rémi. Ok, ben tu vois, je suis en plein dans le centre de Salon de Montferrand. Là où il y a tous les dodanes, là, un dodane tous les 100 mètres. Aïe, aïe, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Voilà, vache. Ah, s'ils veulent que les gens ralentissent, là, c'est réussi. Voilà.